Édition vespérale sur Face Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette nouvelle qui vient de tomber. Les professeurs des universités réunis au sein de l'Association des professeurs d'université du Congo, RAPUCO en sigle, viennent de déclencher un mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national. Dans une déclaration faite ce jeudi, le président de cette association, le professeur Rodolphe Iolo, conditionne la reprise des activités qu'après que le gouvernement ait payé la totalité de deux tranches de la prime de recherche conformément aux accords des Bibois. Suivez. Le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, décide dès ce jour, après avoir épuisé toutes les voies légales de recours, d'entrer en grève. Par conséquent, il décrète l'arrêt de toutes les activités scientifiques et académiques dans tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, les RAPUCO demandent à tous les professeurs de la République démocratique du Congo qui ont épuisé toute leur dose de patience en dépit de tous les ridicules que leur ont fait subir certains acteurs clés du gouvernement de la République au regard de leur manque de volonté politique manifestement affiché contre la vision tant annoncée du chef de l'État, le respect strict de ses mots d'ordre. Le RAPUCO prend à témoin toute la communauté, tant nationale qu'internationale, de toutes les conséquences qui découleront de cet arrêt d'activité dont le gouvernement sera tenu pour seul responsable. Troisième évaluation de l'état de siège. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé a conduit la réunion du Conseil de sécurité élargi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Plusieurs ministres, députés nationaux et sénateurs ont été associés à cette rencontre, mais aussi tous les services de sécurité et membres du programme DDRCS. Suivez. Je le disais tantôt que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a conduit une réunion des conseils de sécurité à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Tous les membres du gouvernement, quelques membres du gouvernement, voulais-je dire, les députés nationaux et sénateurs, et tous les services de sécurité ont été associés à cette rencontre de haute facture. C'est justement pour évaluer l'état de siège décrété par le chef de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Merci avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. Alors que quelques contrées dans la partie est restent occupées par les forces négatives, le M23 soutenu par le Rwanda, le ZADF ou encore le Codico, sans ignorer les exactions perpétrées par ces terroristes, cette nouvelle tournée du premier des Warriors, c'est aussi pour le réarmement moral des forces armées de la RDC qui ont juré de défendre l'intégralité du territoire national. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu, très soutenu par le président de la République. Ça sera aussi l'occasion, si dans le cadre des autres travaux qui se font ici dans la province, d'effectuer une ou deux visites de terrain. Ré-
Enoch Apre-Bougna, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, se rendra à Goma jeudi 22 septembre 2022 pour le même exercice, c'est-à-dire un suivi, évaluation de l'état des sièges successibles, de l'aider à la prise de bonnes décisions par rapport aux défis sécuritaires. Rappelons que l'état des sièges a été décrété par le garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 6 mai 2021. La technique a ses caprices, nous allons y revenir dans les prochaines éditions. Parlons justice. Comme vous le savez, l'ancien conseiller en charge de stratégie du chef de l'État, Vidié Tshimanga, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa. Maître Anita Tamba, inspectrice générale du parti, chère Vidié Tshimanga, Dynamique Congo Unie, DCU en sigle, clame l'innocence de leur président qui, selon elle, est victime d'un montage grossier d'une vidéo truffée. Vidié Tshimanga est victime d'un coup monté de toutes pièces selon le membre de son parti, la Dynamique Congo Unie. En fait, comme tout le monde peut remarquer, bon, notre président Vidié Tshimanga a été mis sous main. En attendant les enquêtes, mais nous retenons que sur base, nous ne donnons pas, comment dirais-je, une version authentique à ces vidéos, que c'est d'abord une preuve, je dirais, déloyale. On ne peut pas se saisir de quelqu'un sur base d'une simple vidéo, et puis qui démontre en arrière que c'est un montage aussi contre le président. Mais néanmoins, il détient des vidéos, comment dirais-je, contraires, hein, qui contredisent tout ce qui a été mis sur le réseau social. Maître Anita Tamba, inspectrice générale à la Dynamique Congo Unie, s'en remet à la justice pour dire le droit et les vrais. Donc voilà, à ce stade, on dit que, comme en bon droit, il est présumé innocent. Bon, les enquêtes continuent, il est mis sous MAP, donc sous mandat d'arrêt provisoire. Donc moi-même, je l'ai assisté comme avocat jusqu'à ce que la lumière puisse jaillir. Mais à moi, je vous fais noter aussi qu'elle a porté plainte contre tous ces détracteurs qui ont monté cette histoire. Elle restait persuadée de tout de même que la vidéo publiée est montée de toutes pièces pour nuire à leur président. C'est un montage grossier. Et si vous-même pouvez faire la lecture de cette vidéo, vous comprendrez avec nous que c'est vraiment un montage. En attendant la fixation du dossier de l'ancien conseiller de Félix Tshisekedi, celui-ci restera à la prison centrale de Makala. Parlons politique. Franck Diongo reste le président du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste et ceux qui l'ont exclu du parti ont été déjà radiés. Maître Patrick Tinda, secrétaire national du MLP, l'a déclaré ce jeudi lors de son passage à France Télévisions en réaction du communiqué lu par le directeur de cabinet de Franck Diongo aux côtés des quatre membres effectifs du MLP, taxant celui-ci d'ingrat vis-à-vis du chef de l'État. C'est la toute première réaction après expulsion de Franck Diongo du parti Mouvement Lumumbiste Progressiste par quatre membres effectifs de ce parti. Patrick Tinda, secrétaire national du MLP, revient à la charge. Je qualifie ces comportements des méphistophélétiques, pour ne pas parler des diaboliques. Tout simplement parce que ce sont des mécontents de la décision salvatrice prise par le mouvement lumumbiste progressiste de quitter l'Union sacrée. Et bien, tout simplement parce que le MLP avait, après évaluation, compris que les régimes en place se refusent obstinément, avec opiniâtreté, de se séparer des antivaleurs que nous avons combattues à l'époque de M. Kabila. Et ces gens-là, ces quatre membres effectifs, ont été
n'étaient pas d'accord à cette décision et ils ont claqué la porte. Et on était même sidéré, étonné de voir ce qu'ils ont, ils venaient de faire. Moi, je qualifie ça de la folie. C'est de la folie pure et simple, puisque c'est infaisable, c'est inadmissible. Pour le patron de l'administration du MLP, aucune disposition statutaire ne donne pouvoir à ses membres d'en arriver là. Nulle part dans les statuts, il est prévu. Ces gens ont été même radiés, chassés du parti. Ils ont craché sur le parti. Un parti sérieux, un mouvement sérieux où l'honorable Franck Diongo s'est battu pendant autant d'années pour asseoir ce parti avec ses moyens. Est-ce que les gens-là, ils ont déjà contribué pour le parti? La guerre est ouverte. Dorès est déjà dans un bras de fer au sein de ce parti. Seul l'avenir nous en dirait plus. Comme vous le savez, le lieutenant-général Philemon Yav a passé sa troisième nuit à la prison centrale de Makala. Le commandant de la troisième zone de défense et des opérations militaire au Nord Kivu est aux arrêts depuis le début de la semaine. Il lui est reproché des hautes trahisons et d'une tentative d'un complot de haut niveau. Ces révélations accablantes, graves et choquantes, rendues publiques par le site Communication Plus, rapportent par Kamando Akamanda à RFI, démontrent que le général Philemon Yav, commandant de la 3e zone de défense et des opérations militaires dans le Nord Kivu, Ituri et Maniema, était en communication constante avec le conseiller spécial en matière de sécurité du président rwandais, James Kabarebe, qui, sa mission aurait été de désigner les officiers congolais qui constituaient un verrou pour l'avancée significative du M23 face au FARDC, les persuader de lever les pieds pour permettre au M23 de conquérir progressivement le territoire congolais avec succès. Selon cette même source, lorsqu'il apprena des soupçons de son arrestation pour haute trahison, après la dénonciation des officiers patriotes et loyaux auprès des services habilités, le général Yav a cassé sa carte SIM dans le but d'étouffer toutes sortes de traçabilités. Grâce à l'enquête menée auprès des opérateurs de téléphonie mobile, toutes les données auraient été confirmées. À en croire cette même source, ce grand officier de l'armée congolaise est resté fidèle, opiniâtre à l'ancien président Joseph Kabila, malgré l'alternance du 24 janvier 2019. Pour son compte, il a jugé bon de travailler au service de l'ennemi et au détriment de la nation congolaise. Le décès récent du général Tshinkombo des suites de l'empoisonnement serait également son œuvre du fait que le défunt général était un farouche résistant à l'ennemi. Ceci est un exemple loquace de l'infiltration des FARDC qui peinent à ramener la paix durable et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et pendant que le lieutenant-général Philemon Yav est acheminé à la prison centrale de Makala, l'ancien colonel FARDC Bernard Maheche Biamungu, lui, vient de rejoindre le M23, selon Scoop RDC.net. L'homme qui se réclame des Minovo dans le site Kivu, ancien Kadogo de l'AFDL, très proche de Joseph Kabila avant son désamour en 2012, jeté en prison pour participation au mouvement insurrectionnel du M23, après 7 ans de peine, radié de l'armée, fut gracié par Félix Antoine Tshisekedi à son avènement au pouvoir en 2019, mais interdit de quitter Kinshasa. Ce colonel déchu a réussi à s'exfiltrer par Brazzaville le 17 septembre dernier pour rejoindre son vieil ami, Sultani Makenga, leader du M23, avec qui il n'avait jamais perdu contact selon ses proches. Maheche est un récidiviste avec de ramifications à Kinshasa et grand défenseur du Rwanda, selon les sources de ce média en ligne. Il ne parlait que des coups d'État.
Comme à Kinshasa, les médecins de Kisangani dans la province de la Tchopo étaient également dans la rue. Ils ont bravé la chaussée jusqu'au gouvernorat de la province où ils ont déposé leur mémorandum exigeant du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivez. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales auprès du gouvernement. Pour ce faire, les médecins de Kisangani, toute formation médicale confondue, expriment à travers cette marche pacifique. Le président provincial du CINAMED est plus explicite. Ainsi, de l'hôpital général de Makisso en passant par les principales artères du centre-ville, toutes les blouses blanches manifestent jusqu'au point de chute le gouvernorat de province où les mémos est déposé. Docteur alias Tagoto. Les médecins sont en grève depuis plus de 2 mois et demi. Ils sont en train de revendiquer du gouvernement les paiements des transports et des logements, l'intégration à la prime de risque, mais aussi les paiements des salaires et l'octroi des matricules. Alors tous ces engagements, le gouvernement avait pris, il n'a pas honoré. Et depuis plus de 2 mois, les médecins sont en grève. C'est comme ça qu'aujourd'hui, sur toute l'étendue de la RDC, les médecins ont décidé de marcher. La grève qui débute ce jour ne pourra prendre fin que lorsque le gouvernement de la République trouvera solution à leurs revendications. Dans un autre chapitre, elle réclame que justice soit appliquée pour récupérer leur résidence familiale. Elle, c'est Minati Bamanya Juliana, belle-fille du feu président Mobutu Sese Seko. Elle monte au créneau pour faire appel au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer dans l'affaire de spoliation de sa parcelle. Elle est au micro du presque ancien. En tout cas, comme vous l'avez suivi, nous sommes vraiment tracassés. Tout le temps, nous avons tous les documents en ordre. Nous suivons la justice sans problème, mais tout le temps, c'est sans repos. Après 2 mois, nous sommes dérangés. La police, les militaires, les gens de l'urbanisme, monsieur plus Mabilou qui envoie, on casse et mes enfants traumatisés comme pas possible. C'est un dossier connu et c'est notre maison. Nous avons tous les documents, les certificats, tout en ordre. C'est notre maison, notre propre. En tout cas, si vous me le permettez, je m'adresse d'abord au chef de l'État, qui est notre papa, notre président, papa Fati. Je préfère un kwambilmu mutiluba balu tukabachuka. Djuma nuka mu malwa plusieurs fois mu net mu WhatsApp ntumine na shabatu tu bajipa bui fine fatigué. Même les bandes bain tout le temps dehors bako se bibi ba traumatisé bana balo tout le temps tout déjà en ordre ni justice parce que wewa ou prenez droit ou prenez état des droits. En tout cas, je ne comprends pas. Tu bachouka, même en dit clair, tu bachouka. Bantou, on se fait balba, j'en plus mobile. Mi candidatio, on se dit en ordre. Tu dis, mi candidio, même certificat. Nous, on se bat pas tout le bantou, bon, ce mot boulevard, bien, c'est une bonde, finalement. Même en dit, Koulomba, nous tchins, tout chimo, papa, boue le bois, le bout, ou tout pêche solution. Tu bachouka, tout ba ministre, tout quand tu es ministre, toi. Tu es comme ministre plus mobile. Où est quoi? À nous beau bouc qui va te battre tout choqué. Ban batata papa wan. Ban batata moi kuné ba au moins né ba. Tout tata vraiment depuis combien d'années tout tata non quoi. Boaku récupère tout du monde parle. Mais dis ben Johnson. Oh et où tu le couvres le ministre campagne va te battre comme bouge. À nous n'en quoi? Bien sûr moi ben je vais te battre le king tout plus mobile. Finalement papa wan. Ban tu vas te battre entouré. Kaben bakuna en attendant. Tu dis derrière, ouais. Avant de nous quitter, prenons cette information en brève, une information sportive. Il faudra attendre 5 jours pour que les Léopards de la République démocratique du Congo de moins de 23 ans obtiennent le ticket qualificatif pour les second tours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 Maroc 2023.
Les Congolais se sont quittés en bons amis par le score nul et vierge de 0-0 face aux Éthiopiens ce jeudi 22 septembre 2022 au Stadium Abebe d'Addis Abeba. A noter que la manche retour est donc prévue le mardi 27 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Cette édition est terminée. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous.